Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous ce soleil radieux et cette lumière est magnifique sur cette pelouse de grande qualité. Vraiment, aujourd'hui, on est à quelques instants du coup d'envoi de cette rencontre. Le temps pour nous de vous la présenter rapidement, de vous communiquer d'abord ce que vous attendez en priorité, la composition des deux équipes et ensuite le coup d'envoi pour être donné. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Et c'est parti! Et il jaillit pour prendre ce ballon. Ça joue long vers l'avant. La passe dans la profondeur. L'Escaut d'Angers adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la largeur du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire. Forcément. Maintenant, le centre. Ils décident d'allonger le jeu. Pour que ça va partir vite. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Il cherche son coéquipier. Oh, très bon ballon. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Et voici le premier coup de pied arrêté de cette rencontre. Direct et un but splendide, un moment de pure inspiration. Yes. Et cette trajectoire qu'il a trouvé, la classe. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Bien, ça fait 1-0. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. Interception sur la touche, bonne anticipation. Baokel qui choisit le côté gauche. C'est joué long, c'est bien donné. Rien à dire, c'était propre. Quelle passe. Il accélère côté droit. C'est bien ce qu'il fait là. Oh, belle intervention, il arrivait lancé en plus. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Voilà une bonne occasion de contre. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. La board. Pour trouver la faille dans la défense. Oh, si ça passe. Il y a danger. Le soutien derrière lui. Allez, c'est dangereux. Il y a mis du cœur, mais il était loin quand même. Et marqué à cette distance, ça reste. Reine Adélaïde. Le long dégagement du gardien. Dommage, ils avaient pris leur temps, mais au final, le ballon est rendu à l'adversaire. Elle continue sa course. Oh, quel geste! La mort! Oh, quel bel arrêt! Ouh, arrêt en deux temps du gardien. Le coup de sifflet, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. Ça va être l'occasion pour les joueurs d'écouter le discours des entraîneurs. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent leur avantage. Un seul petit but d'écart entre les deux. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. La passe est précise. Et c'est directement récupéré.
Le gardien loin devant. Bauken. Il glisse le ballon en profondeur. Il est à distance de tir. Il prend sa chance et il marque. Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période. Et c'est reparti, les deux équipes sont de nouveau à égalité. Alors là, ça peut être un très grand match parce que les deux équipes se rendent coup pour coup. Il tente de la jouer dans l'espace. D'abord, il met le pied, ballon récupéré. Reine Adélaïde. Oh, le contre, l'arme fatale. Le bon dribble, c'est vraiment passé tout près sur ce contre. Le long dégagement du gardien. Pour Endoy. C'est joué long, attention. Il est tout seul. Oh, le bon ballon. Un long ballon vers l'avant. C'est bien fait, ça. Et bonne intervention. Une très longue passe. La faute est sifflée. Il joue dans l'espace. Oui, il peut frapper là. Il marque. Voilà la situation complètement inversée. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ils ne baissent jamais les bras. Ça force l'admiration forcément. Ils étaient menés. Les voilà maintenant devant. Il allonge vers l'avant. Ça peut partir en contre. Et cette défense d'Arène qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans le dos. Bon, en même temps, ils n'ont pas tort. Le problème, c'est qu'en jouant si bas, ils s'exposent à des frappes lointaines. Mais bon, aucune stratégie n'est parfaite. Bien servi. Il essaye de faire la différence côté gauche. Oh, le duel. Dernière chance pour un centre. Tire, c'est repoussé. Et l'arrêt, magnifique. C'est un super arrêt, fine save. Ce sera le premier corner du match. Voici un corner qui pourrait tout changer. Danger repoussé pour le moment. Il faut se projeter maintenant. Le gros dégagement. Oh, ils sont passés tout près de l'égalisation dans ces dernières secondes.